selon le temps. Bonjour les cœurs. Bonjour les abonnés. Bonjour mes amours. Sinon, c'est comment? Je suis super bien. Je suis content de vous voir, heureux de vous partager ma joie. La santé, c'est la première des choses. Voilà cette recette naturelle que je vous partage aujourd'hui, les cœurs. C'est la recette d'envoûtement. Cette recette est naturelle, c'est très simple. C'est pour désenvoûter rapidement tout ce que vous avez consommé depuis l'enfance ou depuis que tu as grandi. Voilà, on t'a envoûté. Voilà, cette recette-là va vous aider beaucoup. Voilà, tu as mangé quelque chose depuis l'enfance là. Voilà, contraire à l'organisme, c'est une recette incapable qui va enlever tout ce envoûtement sur vous depuis votre enfance, surtout envoûté, voilà, depuis quelques êtres, depuis à causer quelque chose dans ton ventre. Cette recette-là va éliminer tout par grâce à les bons dieux. Ça va enlever tout. Voilà, ça peut être tu t'es envoûté depuis qu'il était dans le ventre de la maman. Cette recette est très forte pour nous aider toujours. Voilà, cette recette va vous donner vraiment, vraiment à donner un bon résultat par grâce à les bons dieux. Voilà, qui va vous donner toujours à éliminer tout ce qui est dans le ventre. Même si c'est le serpent ou quoi, le quoi te trouve dans le ventre, ça ne reste rien, ça annule tout dans le ventre par grâce à les bons dieux. Cette recette est basée de quoi? C'est le coco. Cherche-moi un coco, vous allez voir les trous là. Vous percez un trou de coco là. Vous allez me chercher les graines de moutarde noire. Vous me cherchez les graines de moutarde noire. Vous allez m'ajouter 3 cuillerées de ça. Vous m'ajoutez 3 cuillerées de graines de moutarde noire. Vous allez mettre le trou que tu as percé là. Vous allez mettre ça dans le trou là. Quand vous mettez dans le trou, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez garder. Voilà, vous allez prendre la bougie, allumer la bougie et mettre ça aussi. Vous allez mettre le liquide de la bougie pour fermer les trous là. Jusqu'à, pour que l'heure ne rentre pas dans les trous là. Quand vous finissez à faire ça là, vous allez prendre, voilà, vous allez prendre le coco, vous allez garder pendant 7 jours. Voilà, vous allez garder pendant 7 jours. Après 7 jours, voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déjà verser le grain de moutarde dedans. Après 7 jours, caché là où personne ne peut voir. Et vous avez juste mis un petit morceau de bougie et fermé le trou avec le coco. Vous allez finir allumer la bougie. Finissez pénétrer dedans. Voilà. Voilà. Pénétrer dedans pour que l'heure ne rentre pas dedans. Vous allez garder le 7 jours. Le 8e jour, prends la bougie là. Tu vas récupérer le coco. Puis verser le contenir. Quand vous versez le contenu là, vous allez enlever tout ce qui vous avez envoûté dans votre organisme là. Voilà, vous allez avoir une forte diarrhée. Voilà, ça la selle, ça va dépasser même très fort. Allez-y, le fait, mes amours.